tu funu bongu bong idin ko idigina musu gono ga halala ne hari adu bongu ga hay kuka me futu nosika kala fat ko ini zaka ba zakam bong ba zakam ne hariya umur ku hariya siaru ya chunga chi fawa yo yen ne che kande how yen ne che kande yem kon ka so ne che kande ya chunga chi fawa zam chinda muse gborwi et 17 mai au Sinaza, on est ensemble. Il est auteur de plusieurs chansons à succès, dont cette belle reprise Marietou du maestro Bonkana Maiga. De la danse à l'époque, il fait aujourd'hui la fierté de la musique burkinabé. Le 17 mai prochain, il va livrer son deuxième grand concert live du côté du Sinaza. Mesdames et messieurs, Maiga Makambo est notre invité dans Showbiz. Bienvenue et merci de nous rester fidèles sur GM Communication. Comment se porte Maiga Makambo? Oui, Maiga Makambo, bonsoir. Bonsoir, GM Communication. Et Maiga Makambo se porte très bien. Voilà, c'est pour ça que je prépare un concert de 30 ans de carrière de Maiga Makambo. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs chansons à succès. Mm-hmm. Pour citer le mythique titre des Amazones de Wala Marietou. Mm-hmm. Pourquoi avoir repris cette chanson et qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Ce qui m'a motivé, parce que c'est les Amazones de Wala qui ont chanté Marietou. Et c'est une chanson qui parle de beaucoup de choses, ça parle de la paix, ça parle de, aussi de cohésion sociale, ça parle aussi de résilience qu'on peut dire, bon excuse-moi mon français n'est pas trop ça, mais ça parle de tout quoi, ça parle de vraiment de la paix entre communautés. Ouais. Vous êtes présent dans le cadre de votre grand conseil, comment se passe l'organisation et quels sont les défis attendus à ce jour? Bon, le défi attendu de ce jour, que je veux que vraiment tout le monde soit pour venir les soutenir, pour venir soutenir les artistes qui vont m'accompagner. Et parce que c'est pas moi ce qui va chanter, il y aura pas mal d'artistes qui vont, pas mal d'artistes qui vont être là. Et il y aura beaucoup d'artistes musiques burkinabé et des étrangers qui sont déjà là. Il y a des artistes nigériens qui sont déjà là à Ouaga pour le concert. Il y a un artiste béninois aussi qui vient. Voilà, quand ils viennent me soutenir, c'est pas moi qui viens soutenir, c'est pour venir soutenir l'ensemble de musique burkinabé. Voilà, quand ça réussit, c'est comme musique burkinabé qui a gagné. Donc, c'est pas moi qui a gagné, c'est comme musique burkinabé qui a gagné. Quoi. Voilà, donc c'est ça que je dis, non, je ne peux pas, bon, c'est un 30 ans de carrière, je ne peux pas. C'est un concert de 30 ans de carrière, voilà, et de concert live. Pour remercier tout le monde, quoi, voilà, tous mes fans. Quoi. Qu'est-ce qui est prévu à cet événement? Bon, ce que je veux à ces événements, c'est pour dire qu'il y aura beaucoup de choses qu'on a préparées, on est en train de préparer. Il y aura d'abord l'orchestre qui va jouer, il y aura beaucoup d'artistes qui vont rester, il y aura aussi moi aussi qui vais faire beaucoup de surprises parce qu'il y aura un grand chorégraphie qu'on a préparé déjà. Il y aura un grand des humoristes qui vont faire des trucs avec moi. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses, beaucoup. Serez-vous seul sur scène ce jour où il y aura des artistes qui vont vous accompagner? Mm-hmm. Bon, il y aura des artistes qui vont m'accompagner. Beaucoup, ils sont beaucoup. Il y a Miss Maya, il y a Didier Barça, il y a Aïcha Tremblay qui va être là avec l'autre, son collègue Didier. Il y a aussi. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Il y aura du Flo, il y aura Dez, il y aura en tout cas pas mal d'artistes qui vont m'accompagner en tout cas. Bon, ils m'ont promis, mais il y a beaucoup d'artistes. Voilà, ils sont beaucoup qui vont être là. Il y a Sanjus qui va être là. Ils sont beaucoup. Avant de se dire au revoir, on va juste rappeler la date, le lieu et les conditions d'accès à la salle. Bon, la salle, c'est Hazard, que tout le monde connaît. C'est une salle VIP, on peut dire, parce que c'est une salle, c'est une salle bien retapée par le 2G, par l'État. Et le ministère de la Culture, on dit merci d'avoir nous donné une jolie salle comme Sinaza. Et une salle climatisée, il fait la pluie, on ne sait pas qu'il y aura un vent qui va drainer, mais il n'y aura pas de problème.
Vraiment, nous, tout le monde fait des placements du côté de Sinazat parce que ça va être un spectacle vraiment qu'on voilà, on ne peut pas dans valise. Il y aura beaucoup de surprises qu'on a préparées. Il y aura Djungle Nampolo et un grand humoriste nigérien que vous connaissez très bien qui fait plein de stades au Niger là-bas. Et il est Nigéro Burkinabé qui va être là, il est là. Autrement, lui, il est déjà là pour le concert. Il y a un humoriste béninois qui vient, tout ça. En tout cas, il y a pas mal d'artistes qui ne font pas beaucoup de bonnes choses pour le public. Voilà, c'est 2000 francs et 5000. 5000 de 2020, c'est un cadeau. Parce que ce qui va se passer, ça va être vraiment debout. Quel est votre message à l'endroit de vos fans? Bon, le message, c'est que le sponsor, le cas, vraiment, on est dans la poche pour nous appuyer. D'abord, en passage, on remercie la ministre de la Culture. Voilà, on dit de faire tout pour le sponsor. Et puis, les parents, le cas, fait tout possible dans leur poche pour nous soutenir parce que ça, on peut pas faire le concert. Donc, on souhaite qu'eux aussi, nous, vraiment, de faire un geste pour nous accompagner. Ne pas baisser les bras parce que c'est un concert de paix et de cohésion sociale. Voilà. Mais le thème du conseil, c'est ça. Le pays de cohésion sociale. Donc, vraiment, on souhaite que tout le monde, les sponsors, les parrains, bon, chacun met sa main dans sa poche pour nous accompagner. C'est pas moi qui nous accompagne, c'est la culture Boutoua nous accompagne. Donc, quand un artiste fait son conseil, il doit le soutien, accompagner-lui, donner un bon soutien. Même si c'est moi, devant mon conseil, va passer. Et d'autres artistes qui ont venu aussi, pour les accompagner, on a besoin de soutien. Je parle d'ensemble de musique burkinabé en général. Voilà, mon conseil va passer après. C'est dans 3 jours, mais d'autres artistes aussi, si on peut les accompagner, c'est pas de problème. Sinon, il y a beaucoup d'artistes qui ont de bonnes choses dans leur ventre, dans leur valise, pour faire de bonnes choses. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Mais ceux qui nous quand même accompagner, ils sont là. Mesdames et messieurs, Maïga Makambu était notre invitée dans Showbiz. Je suis Thérèse Danem à la réalisation de Nessora. On se donne rendez-vous ce vendredi pour son grand concert. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.